Bonjour, je suis de retour. Alors, on continue la série des inédits. Alors, il reste ces deux projets ici, plus la boîte ici à la fin. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, ça, c'est un album vintage que j'ai fait avec des chutes de Tales of You and Me. Et j'ai ajouté aussi des papiers vintage que j'avais d'autres collections qui m'avaient été offerts en joyeux courrier. Alors, je crois que c'était, attendez, je ne me trompe pas, Nelly. J'ai toujours de la difficulté avec les noms. Alors, il faut vraiment que je prenne le temps de penser pour voir, pour pas que je fasse l'erreur. Alors, Nelly m'avait offert plusieurs feuilles 30-30. Alors, j'en ai utilisé plusieurs ici. Alors, ici, vous avez derrière un endroit pour faire une dédicace. Je le répète pour ceux qui le veulent. Je peux vous faire une signature ici. Je peux signer l'album si vous voulez. Alors, plusieurs qui me demandent de signer les albums. J'ai mes amis qui me disent « Tu devrais toujours signer tes albums. » Mais bon, parfois peut-être, vu que c'est un cadeau, alors je préfère laisser que la personne qui va acheter mon album, qui veut l'offrir en cadeau à quelqu'un, puisse faire un petit message ici. Alors, c'est pour ça que je ne les signe pas. Mais si c'est pour vous, si vous voulez que je vous le signe, je vous le fais. Alors ici, on a un album quand même assez volumineux, comme vous voyez, toujours en cartonnette. Joli bouquet ici sur le dessus, et puis j'ai fait une plaque ici avec un genre de titre. Alors, Tales, j'ai caché un petit peu avec ma cire, j'ai peut-être débordé un tout petit peu. Tales of Us, alors avec la ficelle, un beau cachet de cire, et puis un beau bouquet ici avec de jolies décorations. Ici, on a mon beau tissu que j'aime tant de faux suède. Une jolie plaque avec quatre breloques plus un de lin ici, la bonne couleur. Vous pouvez ajouter si vous voulez, parce que vous pouvez ajouter au moins un, deux, trois. Trois autres breloques, si vous avez des breloques à vous. Alors, voilà. Je l'ouvre aussi en fermoir aimanté. Alors, lui, vous l'avez tout en tuto qui s'en vient. Tout en tuto, imaginez. C'est incroyable la quantité de travail que je peux faire. Les gens qui me disent merci pour tout votre travail, là, je peux vous dire que c'est... vous avez compris parce que c'est énormément de travail. Je fais ça pour vous parce que ça me plaît. J'aime faire ce travail, puis j'aime partager. Puis, vous savez, pour ceux qui ne savent pas encore, qui voient cette vidéo, alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le parce que vous avez tous les tutos gratuits. Tous les tutos sont gratuits. J'ai aucun tuto à vendre. Alors, si vous voulez, là, j'essaie de faire une boucle à l'intérieur ici. Alors, si vous voulez apprendre à faire du scrap, vous avez toutes les instructions vraiment très, très détaillées. Alors, je vous recommande fortement. Puis, vous allez vous mettre au scrap certainement avec tout ça. Alors ici, ce qu'on a, c'est qu'on a les pages flottantes. J'en ai fait trois, parce que sinon j'aurais manqué de papier. J'avais commencé par faire quatre, puis finalement j'ai dit, ben j'en fais que trois. Alors, regardez toujours les boîtes de description, ceux qui regardent les tutos, parce qu'il y a toujours des corrections, des mesures, tout ça. Et des fois, parfois je ne dis pas le bon mot. Ici, on a une... Alors vous avez vu, il y a une doublure de page avec une grande carte. Ici, on a la grande poche, avec un aimant ici, sur le côté. Pochette ici en dentelle. Puis, dans les pages, vous avez la page pochette. Alors, j'ai mis ces papiers ici dans la page pochette. Alors, chaque page a une enveloppe sur le dessus d'emblée, une pochette, comme ceci. Et puis, de l'autre côté, vous trouvez avoir une doublure de page, donc j'ai mis une autre. J'avais presque plus de ce papier-là, c'est pour ça que je n'ai pas plié. Alors, mais au moins, j'arrondis les coins. Mais j'ai presque plus de papier. Puis, j'aurais manqué si j'avais pris une feuille pour faire chaque carte ici. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'il y en a. Alors ici, premièrement, on a la cascade à poussoir, non, à tirette. Alors, on prend ici. Alors moi, quand j'ai une tirette, j'aime bien mettre un morceau de jute derrière et puis un bouton 3D. Alors, c'est plus facile à prendre ici. Lui, il colle toujours avec la statique. Alors, vous voyez toutes les photos ici que vous avez, les possibles. C'est incroyable. Tout ça. Quand vous avez mis une photo entre les deux, probablement que la statique ne sera plus. Voilà. Puis ici, vous avez une bande transverse. Alors, la cascade, c'est la première fois que je l'avais sur une bande transverse plutôt que la faire directement sur la page. Puis je trouve que c'est encore mieux. Alors, ici, j'ai un petit gousset qui permet de mettre cette jolie carte ici. Vous voyez, deux, trois photos ici, c'est laissé ouvert, chaque côté. Photo ici, on peut mettre quelque chose derrière ici, un journaling. Alors ça, ça entre ici à l'intérieur. Puis, vous avez ici, on va faire une petite boucle, si je peux y arriver. Mon ruban n'était pas très très long. Peut-être que j'aurais dû garder un petit peu plus long de ruban. J'ai les doigts qui n'ont aucune grippe, alors je n'arrive pas à faire des boucles. Mais bon, je vais le mettre de côté. Ici, on a un grand rabat de page. Non, ça c'est l'interaction finalement. Alors, vous avez d'autres espaces photos. Incroyable. Je n'ai pas compté, je vais mettre dans la boîte de description combien de photos, mais d'après moi, c'est plus que 125, 150 peut-être. Alors, je vais faire un deuxième essai pour faire la petite boucle. Donc, je l'ai. Alors, voilà. Ici, on a... Alors, la page
avec la carte, comment est-ce que j'appelle ça? La carte pince. La carte qui pince. Je me souviens plus, non. J'ai un petit blanc là. J'ai travaillé beaucoup dernièrement, puis je suis fatiguée un peu. Alors, beaucoup d'espace photo. Vous voyez, si j'ai fait l'image interrompue, puis vous avez toujours le fond qui est maté pour ne pas voir des bouts de photos qui dépassent. Alors, ça, c'était quelque chose qui est bien important parce que sinon, on se retrouve avec des bouts de photos qui dépassent. C'est pas très joli. Alors, tous les espaces à l'intérieur sont des espaces photo, comme vous voyez, vis-à-vis la carte ici. Vous avez ici, ici. Vous avez tout ça, espace photo, incroyable. Regardez tout ça. Beaucoup, beaucoup d'espace photo. Puis vous avez un bon gousset de 4 mm, je crois, pour pouvoir tout contenir ça. Puis si jamais vous voyez que c'est trop épais, alors vous pouvez peut-être faire du journaling sur un des rabats plutôt que de mettre une photo. Voilà. La carte pincée. Ça m'est revenu. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Puis, j'ai pas de grand rabat de page, c'est ça, tout simplement. Oui, excusez, oui. Grand rabat de page avec un pop-up. Alors, une carte postale ici, on peut toujours écrire quelque chose. Il y a quelque chose derrière qui fait que vous avez appui. Espace photo. Alors, vous voyez, c'est le pop-up comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, on a une bande transverse double. Je l'ai fait transverse dans ce sens-ci. Alors, petite carte ici, j'ai mis des petits tags. Vous pouvez les mettre là ou ailleurs si vous voulez. Vous pouvez mettre une photo aussi en plus à l'intérieur. Ça peut être le journaling. Alors, ça, c'est la petite carte qui va dans la petite bande. Puis derrière la grande bande, j'ai celle-ci. Alors là, j'ai pas maté l'intérieur, je crois, parce que ça aurait été trop épais. Ah, ce n'est qu'une carte. Voilà, elle n'est pas pliée, celle-là. Voilà, c'est ça. Comme ceci. Alors, ça la retourne ici. Et ici. Puis, vous avez toujours une bande de dentelle en haut sur les pages ici. Ici aussi. Alors, j'ai voulu mettre la dentelle pour faire plus vintage. Alors, ici, on ouvre comme ceci. Ici, on a tout ça. Incroyable. Moi, je crois qu'il doit avoir facilement 150 photos. Ici, regardez, une petite pipette, comme ceci. On ferme comme ceci sur la bande transverse. Ici, on a deux cartes suspendues, comme ceci, on les enlève. Puis, on ouvre. Alors, la carte suspendue qui entre ici vient se coincer à l'intérieur de la pochette. La pochette a une technique spéciale avec le gousset en triangle. Ça évite de faire une pochette boîte qui prend d'épaisseur. Alors, vous avez l'épaisseur ici dont vous avez besoin, mais ici, vous n'avez pas à faire la pochette boîte. Ça ouvre comme ceci. Vous avez un pop-up encore ici pour deux photos. Ici, faisant un journaling. Ici, je vais mettre une photo. Alors, si jamais la personne veut avoir. Je devais ne pas coller la bande ici. Je devais coller juste les deux bouts pour faire un espace en sable. J'oublie. Mais si vous voulez, je peux ajouter un petit morceau. Puis, pour un espace, pour mettre. Mais on ne la voit pas beaucoup. Alors, si vous voulez l'avoir absolument, dites-le-moi. Je vais l'ajouter. Espace photo ici. Alors, on a facilement 1, 2, 3, peut-être 4 photos. Juste là. Puis là, on entre. Alors, la carte en haut, vu qu'elle est cachée en bonne partie, on met la carte la plus simple, moins de design, et puis la plus jolie, on la met ici pour qu'on la voit bien. Comme ça. Ensuite, il n'y a rien d'autre. Je pensais qu'il y avait un pop-up. Non. Ah oui, c'est ça le pop-up. Alors ici, j'ai la carte ici qu'on glisse. Carte glissante. Ici, j'ai mis deux feuilles. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Et vous savez ça deux fois. Comme ceci. Même chose ici. Puis, vous pouvez mettre une grande photo au fond, si vous voulez. Parce que vous pouvez arriver à voir la photo du fond si vous faites ceci. Vous enlevez les deux. Vous pouvez voir peut-être une photo en haut ici, moi, qui pourrait peut-être dépasser en bas. C'est ce que je ferais. Si c'était à moi l'album. Comme ceci. Ensuite, on ouvre ici. Alors, on a un rabat, bel espace photo ici. Ici, on a encore une pipette. Puis, on a une pochette. Non, c'est ça, la pipette, c'est tout. Espace journaling. J'ai ajouté l'espace journaling avec tout ce distressé déchiré par exprès. Ici, vous avez la page avec les deux volets carte fermoir. Alors, ici, j'ai mis une petite carte qui me restait pour montrer qu'on peut mettre des choses puis en ajouter à l'intérieur. Vous avez de là à là. Puis deux autres photos ici et deux autres photos ici. Alors, facilement 6 photos ici. Ça, c'est l'arrière. Alors, on ouvre comme ceci. On a des petites cartes ici, soit pour journaling ou des petites photos. On a 2 ou 3 petites photos. Puis, on a ceci avec un espace journaling ici. Et la carte fermoir entre ici à l'intérieur pour tout garder fermé avec un petit breloque ici. Puis, est-ce qu'on a. Non, on n'a pas de pop-up ici. Alors, j'en ai fait quelques-uns, mais pas partout. Ensuite, ici, j'ai fait une filière. Ça faisait longtemps que j'avais fait une filière. Oups, c'est collé. Voilà.
comme ceci. Alors, vous voyez, ça s'expand très bien. Je vais mettre du matériel. Vous avez de l'espace ici sur la planche pour pouvoir la remplir. Puis, vous voyez que je n'ai pas collé à la base non plus pour que ça puisse s'expandre. Alors, on met beaucoup de matériel. Ici, dans le fermoir, j'ai mis une petite pochette avec des petites cartes, comme ceci. Puis, vous avez une carte derrière la filière. Vous avez un joli seau avec les couleurs bien assorties. Puis, une petite carte ici pour deux photos supplémentaires qui entrent dans la coulisse derrière la... derrière ici. Et puis un espace journaling ici, toujours avec la carte ici, pour mettre les espaces photos supplémentaires. Alors celui-là, je vais compter le nombre de photos qui peut entrer à l'intérieur, parce que je suis curieuse de savoir, il y en a beaucoup. Alors là, j'arrive avec mon fameux coffre. Vous voyez le coffre, avec un fermoir ici, ceinture, qui fait tout le tour, incluant dessous, avec des perles ici pour faire des pattes. Et puis ça ferme avec un joli fermoir métallique. Alors ça, je suis très très fière. Ça aussi, vous avez le tuto qui vient, mais bon, je ne dirais pas que c'est un projet facile. Okay. C'est pas difficile, mais c'est pas facile. Ici, sur le dessus, j'ai fait un petit bouquet. J'ai mis des coins métalliques. Ici aussi. Ici, vous avez le bouquet avec le seau de cire. Je crois que c'était le premier projet que je faisais avec mes cachets de cire. Je dis seau, cachet, pastille, tout ça, pour moi, c'est tout mêlé, mais bon. Ça, c'est un cachet fait avec un seau. Ici encore, si vous voulez, je peux signer avec un crayon gel quelconque. Alors, vous avez ce fermoir ici qui est barré. Alors, ça, c'est important d'avoir un fermoir qui barre. Sinon, ça peut s'ouvrir toujours. Alors, vous voyez, tout est calculé. André, il n'en revenait pas à savoir comment est-ce que tout est calculé au millimètre, au demi-millimètre près, pour que tout arrive bien, bien juste. Il n'en revenait pas pour ça. Je dis, ben oui, c'est beaucoup de calcul. Alors, si vous avez la bande ceinture, vous enlevez votre folio, tout simplement. Ça, c'est tout relié avec des rubans. Alors, il n'y a rien qui se déchire. C'est super souple, comme vous voyez. Alors, ça ne déchirera jamais. C'est des rubans. Il y a deux épaisseurs de rubans. Alors, ça, c'est bon à vie. Alors, vous avez le gros folio ici. Quatre sections. Vous voyez les quatre boîtes. Alors, ça, j'avais été inspirée par un folio que Memories by Léa avait fait. Je dis, ben, je vais faire quelque chose de semblable. Pas pareil, c'est certain. Mais quand même dans le style un peu. J'aimais l'effet coffre. Alors, avec du tissu des deux côtés. Alors, ici, vous pouvez toujours mettre une photo si vous voulez. Parce que ça se trouve être à l'intérieur de l'album, finalement. Alors, vous ouvrez ici, c'est fermé avec des rubans, avec c'est-à-dire des aimants. Mais avec toute l'épaisseur qui est ici, je crois que les aimants ne se rejoignent pas. Mais ce n'est pas nécessaire parce que tout est tellement lourd, ce n'est pas nécessaire d'avoir des aimants. Moi, j'ai mis des aimants dans le tuto, mais si vous voulez, vous n'avez pas, mettez-les pas. Ça s'ouvre comme ceci. Vous avez quatre sections. Ça, c'est un gros, gros projet, si je peux vous dire. Alors ici, j'ai deux espaces photo pour commencer. Alors, je vais le placer. Je vais enlever ça ici pour avoir de l'espace. Pour pouvoir le placer ici au fond, parce que je vais vous montrer tout ça à l'intérieur. Alors ici, j'ai pu mettre des bouquets, des strass, tout, parce que j'avais mes aimants ici. Mais c'est ça qui fait que ça ne s'aimante pas. Ici, faire des chocolats plus. Regardez, il est décollé. Alors, les aimants ici, finalement, c'est pas nécessaire de les mettre. Je ne croyais pas que ça serait pour être si lourd. C'est vraiment lourd. Ça doit peser au moins 3 kg. Alors, je vous montre l'intérieur rapidement. Alors ici, vous avez, je pense que je n'ai pas compté le nombre de photos. Alors ici, je vais vous montrer l'effet que ça fait. Vous avez ça à chaque section. Vous voyez quand j'ouvre ici, ce qui arrive ici. Alors vous avez le gousset ici qui correspond à ce qu'on a d'épaisseur, ce qu'on a besoin de gousset pour tout ce qui est à l'intérieur. Puis ça se ferme quand vous fermez. Alors moi, j'appelle ça la page qui glisse. La page, comment je l'appelle? La page glissante. La page couchée. La page couchée. Ça ferme avec un aimant. Alors, quand vous l'ouvrez ici, ça fait ceci. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Je suis bien, bien, bien contente. Je l'utilise. Je ne l'utilise pas souvent, mais il faudrait que je l'utilise plus souvent. Alors, vous avez toutes sortes. Je vais passer ça ici. Je vais le mettre un peu plus loin. Toutes sortes de rabats. Alors, des rabats, des cascades. Ici, vous avez un rabat supplémentaire. Alors, vous avez ça ici. Si vous avez vu, ça se ferme avec un aimant. Puis à l'intérieur ici, vous avez encore, je laisse toujours les cartes ouvertes pour mettre des espaces photos. Ça ferme avec l'onglet rotatif ici. Ici, si on continue à aller plus à l'intérieur, vous avez un rabat ici. Bande transverse ici. Ici, vous avez une petite, je mets de la colle, une petite pochette ici, acétate. Mettre une photo ou un titre, quelque chose que je vais garder précieusement. Ici, j'ai mis une bande élastique pour garder le cahier en place. Vous avez un cahier journal ou cahier photo, comme vous voulez. J'ai mis du papier assez épais, alors ça peut être photo. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, quand vous voulez, non. Mais allez un petit peu encore là avec du... avec peut-être un peu de journaling au travers. Mais si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos, tout entre ici, j'ai fait un gousset de 6 mm. Puis ici, quand même, ça serait bourré un peu plus. Regardez, j'ai les 6 mm ici aussi. Alors, tout entre l'intérieur. Si c'est trop serré, ben enlevez des photos, mettez du journaling. Alors, vous avez cette page-là. Ensuite, ça s'ouvre encore comme ceci. Si je l'ai laissé blanc parce que je n'aurais pas pu... il ne resterait pas d'espace pour les photos. D'ailleurs, j'ai calculé, j'ai mis des papiers, des cartonnettes, toutes sortes de choses à l'intérieur de toutes les pages qui équivaut à plus que l'épaisseur des photos parce que les photos sont quand même assez minces de nos jours. Alors, j'en ai mis plus qu'il va en avoir et puis tout ferme très bien. Pas de problème. Si vous avez le gros papa, voyez, il fonctionne très bien celui-ci parce que je suis plus loin. Alors, voyez ici, je suis loin de mon pli. Alors, ça ici, il faut garder au moins 1,5 cm de l'endroit où on colle les cartes sur le côté. Et puis, avec mon deuxième pli, mon deuxième X, qui est ma technique que j'ai créée moi-même, ça fait que ça se ferme automatique. Elle ressort. Alors, ça, vous avez cette page-là qui est au fond, finalement. Alors, ça, c'est la première. Ah oui, ici, ben, là, il y avait ça aussi. Okay. Alors, on ferme ceci. Non, on ferme ceci en premier. La page qui est couchée. Ensuite, on ferme lui et celui-ci. Je continue. Alors là, vous allez avoir la même chose à section 4 que la 1. Et la 2 et la 3 sont à peu près semblables. Alors si vous avez un onglet pour tirer, vous avez un aimant. Vous avez encore la page couchée, comme vous voyez ici. Alors, espace photo, journaling, c'est ouvert chaque côté pour glisser la photo derrière. Ici, vous avez tout ça. Je vais monter pour avoir le temps. Toujours ouvert, journaling ici, espace photo. Ici, vous avez l'accordéon en quinconce. Vous voyez, excusez. Oui, il est en quinconce, mais en plus, est-ce qu'il est en quinconce? Il est en quinconce ici seulement. Bon, alors voilà. Alors, vous avez ça ici, mais le reste, c'est l'accordéon en quinconce, dans le sens que il se plie un par-dessus l'autre, et non que vous avez le rebord à chaque côté. Alors, vous avez un rebord ici, un rebord ici, mais ensuite, ce ne sont que des accordéons simples, mais qu'on peut plier un dans l'autre. Vous voyez, comme ça. 1, 2, 3, 4. On ouvre, je vais le fermer. Ensuite, on ouvre. Ensuite, ici. Espace photo, toujours ouvert ici. Ici, vous avez une petite filière de deux enveloppes. Je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas lever, mais c'est ça que ça donne. Deux enveloppes ici. Encore ici, vous avez deux, la double bande transverse. Je fais ça maintenant. Quand je fais une bande transverse, j'en ajoute une plus petite avec un petit gousset par-dessus. La première. Alors, c'est emballé ici, derrière, c'est collé dessus. Alors, on peut mettre quelques photos ici facilement. Puis, on ouvre encore ici, comme ceci. Espace photo ici. Un petit peu de colle parce que quand je travaille avec du papier foncé, on voit un peu la colle à l'occasion. Je suis désolée. De toute façon, il va y avoir une photo dessus. Ici, j'ai ouvert juste un tout petit peu pour que la photo puisse aller dessous. Ensuite, on a ceci, tout simplement. Alors, beaucoup d'espace photo encore là. Lui en premier. C'est toujours avec le gousset le plus petit en premier. Alors, lui, il est plus petit que lui, donc il va en premier. Comme ça, avec les mains. Je vais plier ici. Je vais monter le prochain. Alors, presque toute la vidéo va être faite pour celui-ci. Je l'aime tellement. Je suis tellement fière de ce projet. Alors, ici, encore avec un aimant. Alors, ça correspond encore, comme il dit, à la section numéro 3, avec quelques différences. Ici, vous voyez, j'ai fait une pochette qui va jusqu'au fond, à peu près. Toute la largeur, avec une fermeture éclair. Puis la fermeture éclair est vintage aussi. C'est vieux, c'est ma maman qui m'avait donné ça. Ou peut-être c'est dans mes stocks qui me restaient finalement de mon magasin de tissu. Alors ici, vous avez... ici, vous pouvez mettre des photos ici. Alors j'ai voulu faire un petit quelque chose de spécial. Bon, faites ce que vous voulez avec ça, comme ceci. Puis on ouvre ici, encore ici, ici, ici. Photo ici, une grande photo ou peut-être pas si longue, mais bon, soit que vous avez une super grande, vous enlevez un petit bout, ou bien que vous en mettez une plus courte, mais qui est la même largeur. C'est un espace journaling ici, puis vous pouvez en mettre une ici, puis celle-ci, vous pouvez la coller, la glisser derrière. Puis on a encore un petit pop-up comme ceci. Espace journaling, c'est-à-dire photo. J'ai mis plusieurs décorations, comme vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, je ne vais pas expliquer toutes les décorations, mais c'est ça. Ceci en premier, je crois, ceci. Oui, plus petit gousset ici qu'ici. Parfois, ils sont pareils quand c'est loin. Ensuite, on a celui-ci, puis on a ça, ça, ça.
Ensuite, prochaine section, la dernière. Alors, encore avec un rabat fermoir aimanté. Ici, avec la page couchée encore. Vous voyez, la page, elle est comme ceci. Puis, on fait ça, puis elle se couche. Comme ceci. Tout plein d'espace photo. Ici, j'ai fait une cascade à poussoir, je crois. J'ai de la difficulté. Un petit peu. Je vais l'aider un peu pour la première. Ça va être plus facile. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que je suis de travers, là, ça ne va pas bien. C'est quoi le problème ici? C'est un petit peu trop serré, je pense. Bon, je l'ai ici. Alors, vous avez tout ça. Mais juste un petit peu serré, peut-être. Mais bon, vous avez toutes les photos ici que vous pouvez ajouter. Une petite sur le dessus ou un titre. Excusez-moi, j'ai eu de la discuter avec les rubans étroits. Comme ceci. Comme ça. Voilà. Comme ça. Ensuite, encore la petite pochette ici avec acétate. Rhodoïde, comme vous dites. Ici, encore un cahier, mais celui-là, je l'ai fait cahier journaling plutôt que le faire cahier photo. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup. Alors, tout un cahier de journaling, regardez tout ça. Vous pouvez même faire des tamponnages. Des tamponnages un peu partout. Mais ajoutez pas de l'épaisseur parce qu'on est au maximum. Et puis, ça correspond ici à la largeur de la boîte. Comme ceci. Ici, encore, j'ai laissé blanc pour laisser de la place pour des photos. Et puis, vous avez celui-ci. Alors, deux photos au fond. Puis ici, si vous voulez, vous pouvez mettre quelque chose derrière ici. Oh! Je le recolle avec. Parce que là, c'est le sticker au complet, mais vous ne mettez rien derrière. Je vais recoller avec de la vraie colle, si je pense. Sinon, vous mettez de la colle derrière, tout simplement, la colle blanche à papier. Alors, ça peut mettre deux photos. J'aime beaucoup ce petit cadre surélevé comme ça. Alors, voilà, c'est ça le projet, ce projet-ci. Alors, lui, il va par dessus ici. Non. Lui, il doit aller ici en premier. Ensuite, celui-ci. Non. J'essaie de comprendre. C'est lui, finalement. Alors, c'est ça, vous voyez, c'est vraiment déjà très plein. Alors, avec les photos que vous ajoutez derrière, on ne peut pas ajouter de photos dans le cahier ici. Puis, il n'y a pas de décoration. Ce n'est pas un jeune journal. C'est vraiment un journal seulement pour l'écrire. Alors, voilà, c'est ça. Gros folio. Puis, vous avez aussi les doublures de pages ici. Dans chaque couvert, les quatre. Alors, vous avez la possibilité de mettre des photos supplémentaires. Alors, je n'ai pas compté, mais plus que 150 photos peuvent entrer dans cet album. Alors, je le ferme pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on l'ouvre au complet. On l'appuie ici sur la section. Puis, on emballe tout ça. Tout simplement. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Alors, voilà. Alors là, je vais vous revenir parce que celui-là est assez long aussi à expliquer. À moins qu'il me resterait 15 minutes, je crois pas. Non, il ne reste que 3 minutes et demie. Alors, je vous reviens avec celui-ci tout de suite, à la demi-heure. Et puis, ceux-là, ils sont terminés. Ensuite, on va passer à d'autres projets. Alors, restez à l'écoute, il y en a encore plusieurs. Alors, soit que vous les regardez parce que vous voulez vous procurer un album, ou soit que vous regardez pour vous inspirer, comme vous voulez. Parfois, il y a des gens qui ont juste regardé la vidéo de dévoilement ou de présentation inspiration. Ils peuvent être assez inspirés pour pouvoir reproduire l'album. Alors, c'est des personnes qui sont un petit peu plus habiles. Alors, restez à l'écoute. Regardez-les, ça m'encourage beaucoup quand vous regardez des vidéos. Alors, puis si vous voulez acheter un album, là, c'est encore plus encourageant parce que moi, je ne peux pas rester avec tout ça. Si je ne vends plus d'album, c'est fini. Je ne peux plus continuer ma chaîne parce que j'aurai une quantité incroyable d'albums. Il faut que ça sorte. Je ne peux pas les garder pour moi. Il faut que ça sorte. Alors, je fais des prix qui sont quand même très raisonnables. Mais il faut que ça sorte parce que sinon, la chaîne va s'arrêter. Alors, je vous le dis, là, si je ne vends pas, la chaîne s'arrête. Alors, voilà. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Merci. Bye-bye.